Je vous invite à fermer vos yeux pour revenir à vous-même et goûter à ce moment privilégié que vous vous offrez aujourd'hui encore pour revenir dans votre profondeur et aller puiser de nouvelles ressources à l'intérieur de vous. Alors tranquillement, vous vous laissez sentir votre corps. Votre corps, votre véhicule, votre temple. Votre corps qui est installé là, sur ce siège sur lequel vous êtes. En accueillant tout ce qui est là en vous, quoi que ce soit. Quelles que soient les pensées, les images, les sensations. Et vous vous permettez de vous mettre complètement à l'écoute de ce qui est là en vous. Et à l'écoute de ce qui est là dans le monde extérieur, autour de vous. Pour vous permettre de revenir dans le ici et maintenant. Juste en contemplant, en étant pur accueil, pure présence à ce qui est. Rien à filtrer, rien à censurer, rien à juger à cet instant. Et en même temps, vous sentez votre respiration qui circule dans votre corps. Souffle d'amour, rempli de sagesse. Empli de lumière, empli d'amour, oui. Alors vous vous permettez de vous faire vaste, spacieux, spacieuse, pour laisser circuler le souffle de vie en vous. Et s'il y a des pensées qui circulent dans votre esprit, vous les laissez passer. Ces pensées, comme des nuages dans le ciel. Et vous accueillez le souffle de vie qui circule en vous. Votre souffle qui est sans peur, sans jugement. Sans attente, qui œuvre dans une pure créativité pleine de paisibilité. Accueillez le souffle de la vie en vous, rivière de lumière.
Et sentez que votre souffle vous accueille tel que vous êtes à cet instant. Votre souffle accueille vos pensées et vos énergies de peur, de crainte, de doute. Alors mettez-vous ainsi, si vous le voulez bien, sous la protection de votre souffle, qui vous accueille avec vos forces et vos faiblesses, avec vos manques et vos besoins. Votre souffle est directement relié à l'énergie de la source, à l'énergie de la lumière d'amour infini. Le souffle est directement relié à ce qui est de plus haut, de plus sacré, de plus divin pour vous. Alors ressentez. Vous êtes dans les bras de votre souffle. Protégé. Aimer, guider, nourrir, rassasier du meilleur pour vous. Et plus vous vous installez dans les bras de votre souffle et de la source, plus vous allez pouvoir prendre dans vos bras intérieurs vos peurs qui vont pouvoir se manifester d'une manière symbolique, là, sur votre champ de conscience. Et c'est comme si vous enlaciez vos peurs. Celles qui veulent être aimées, celles qui veulent être reconnues, celles qui veulent être entendues de vous, par vous. Alors, tandis que vous êtes dans les bras de votre souffle et de la source elle-même, dans cet espace de sécurité intérieure, accueillez entre vos bras intérieurs toutes ces facettes de votre être qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de vous, qui sont si apeurées, frileuses, fébrile. Et vous leur envoyez ainsi un regard bienveillant, un regard d'accueil.
un toucher de tendresse, de reconnaissance des souffrances, des limites. Accueillez, accueillez. Ressentez, vous n'êtes point vos peurs. Ressentez, vous êtes entre les bras de votre souffle. L'énergie de la source est là autour de vous. L'énergie de la source qui vient tout autour de cette énergie de peur. Et vous sentez la terre en dessous de vous qui est là. Tandis qu'entre vos bras, vous accompagnez cette énergie qui est là, de votre regard bienveillant, de votre cœur empli de tendresse, de votre esprit empli de reconnaissance de ce qui est. De ce qui est là. Imaginez-vous vous asseyez sur la terre, une terre stable, fertile, une terre amoureuse de vous, de votre potentiel, de votre créativité. Une terre qui accueille vos forces et vos faiblesses. Une terre qui accueille toutes les dimensions de votre être, des plus denses aux plus subtiles. Alors vous vous installez là, intérieurement, sur la terre. Et votre corps peut s'appuyer davantage en toute sécurité sur ce siège, là où vous êtes installé. Comme un jardinier, une jardinière qui va pouvoir offrir ce qui est à recycler à la terre. Et même à l'énergie du feu qui vient et qui va venir pour aider à recycler tout ce qui est à recycler en cette période saisonnière, pour être dans plus de légèreté, de confiance, de contentement, de concentration juste.
de liberté d'être et dans plus de force de concrétisation. Installé sur la terre, sous la protection de la lumière de la source, goûtant au souffle empli d'amour et de paisibilité. Installé sur la terre, vous vous laissez offrir tout ce qui est à recycler aujourd'hui. De toutes ces frilosités anciennes qui n'ont plus lieu d'être. Tandis que vous garderez en vous toute votre attention juste, votre vigilance pertinente, pour être dans plus de centrage, d'ancrage. Et un merveilleux jardinier vient vous rejoindre. Dans le jardin, dans votre monde intérieur, pour vous aider à continuer de recycler lumineusement ce qui est à recycler de manière totalement écologique pour la globalité de votre monde intérieur. Écologique aussi pour la totalité de votre vie. Tandis que la lumière imbibe d'amour vibratoire tout ce qui est là à chaque cycle de votre respiration. Comme pour vous guider au bon endroit, au bon moment, là, dans votre monde intérieur, tel le phénix qui se transforme et renaît de ses cendres, goûtez, là, dans ce moment qui est tel une occasion en or, de transmuter le plomb en or, de vous émanciper d'un passé qui fut lourd, comme si vous en veniez au moment où vous concluez ce qui est à conclure. Tandis que dans votre cœur peut se réouvrir l'énergie de l'optimisme avec beaucoup de délicatesse. Goûtez à la présence de ce jardinier de lumière, empli de tendresse, d'élégance, de mots justes. Tandis que vous vous laissez tirer tous les bénéfices lumineux
de ce moment de transformation intérieure que vous vous offrez sous la protection d'amour de la source et de vos guides, en compagnie de votre jardinier intérieur. Goûtez, goûtez au merveilleux pour le joyau que vous êtes, sous l'inspiration de votre cœur et de votre âme, qui veut guider votre vie pour vous mettre sur la fréquence de la réalisation de votre être et de la concrétisation de vos projets. Goûtez, goûtez à ce moment qui s'ouvre maintenant encore davantage, tandis que de nouvelles ressources se déploient en vous à chaque cycle de votre respiration. Simplement, simplement. Vous êtes dans votre monde intérieur. La terre est là qui vous accueille, stable, emplie d'amour et de confiance envers vous. La source est là qui vous abreuve de sa sagesse, de sa lumière. En votre monde intérieur, il y a le jardinier, empli de qualités, de ressources. Et ce jardinier vous montre, vous indique, vous enseigne comment devenir vous-même, jardinier, jardinière de votre terre intérieure et dans votre monde extérieur, pour cultiver vos ressources, faire parvenir à maturité tous vos fruits, vos graines. Le jardinier connaît les saisons, les cycles, les rythmes. Et vous vous laissez être avec cet être d'une grande sagesse, d'une grande bonté, tout à fait écologique, éthique, avec lequel vous grandissez intérieurement dans l'apprentissage de ce qui est bon pour vous de connaître à cette étape de votre vie, pour vous déployer dans votre potentiel et vivre une vie quotidienne plus riche de ressources, de qualité, de savoir-être et de savoir-faire. Goûtez.
goûter à ce moment dans lequel vous vous déposez, qui vous ouvre à une nouvelle dimension de vous-même, révélant ainsi le meilleur de la globalité de votre être, pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Et la source est là qui vous accompagne. Et le jardinier de lumière. Tandis que vous pouvez vous diriger intérieurement vers un espace là-bas, là-bas, dans cette nature, où vous savez déjà que vous allez aller vous recueillir devant une tombe. Avec tout l'amour qui est là dans votre cœur, vous savez déjà que vous allez vous recueillir devant cette tombe qui contient les vestiges de vos énergies passées, que vous aviez du mal à laisser se transformer, pour pouvoir continuer à vivre votre vie avec légèreté et intelligence. Perspicacité, pour continuer à construire vers l'avenir, alors, tout tranquillement, sentez que le jardinier vous accompagne avec la lumière de la source, pour que vous puissiez vous recueillir avec toute la dignité de votre cœur, l'amour de votre âme, la sagesse de votre esprit, la douceur dans votre peau, pour dire au revoir à ce qui a besoin de l'être. Tandis que vous sentez que la vie continue de circuler, cycle après cycle, génération après génération, dans des axes de progrès exponentiels, indubitables. Alors prenez le temps dont vous avez besoin, accompagné de votre jardinier intérieur, sous la bénédiction de vos alliés de l'invisible, pour dire au revoir à ce qui est juste et bon aujourd'hui, de dire au revoir, de dire merci. De dire je t'aime. Et je vais continuer à aller de l'avant désormais, grâce à toutes ces qualités anciennes que j'ai pu développer alors.
Goûtez. Goûtez à ce moment, tandis que votre cœur s'ouvre à plus d'amour encore, de sagesse encore. Et votre esprit a plus de lucidité encore, de discernement encore. Et votre corps a plus de liberté et de légèreté encore. Goûtez. Goûtez. Et vous sentez que le jardinier est là avec vous. Tandis que la lumière de la source de l'univers vous imbibe d'une nouvelle qualité d'être, emplie de ressources. Alors sentez, sentez que vous êtes vivant, vivante, en vie, avec toutes ces graines de projet en vous. Des rêves en vous qui veulent continuer à voir le jour. Naître dans votre vie quotidienne. Alors le jardinier avec vous vous raccompagne à la porte de ce jardin. Tandis que chaque pas peut se faire plus stable, plus confiant. Et que chaque cycle de votre respiration peut se faire plus ample, plus profonde. Tandis que c'est tout votre être qui se réharmonise, se réaligne à sa plus haute fréquence vibratoire. Et le jardinier, votre acolyte, vous permet de visiter ce lieu qui s'ouvre là tout autour de vous, avec de nouveaux cadeaux qui sont là pour vous.
et tout votre être sait que tout cela est pour vous, à vous, et que vous allez désormais en faire encore davantage bon usage. Pour vous-même et pour l'ensemble de votre vie et pour le bien du plus grand nombre. Alors accueillez. Accueillez ce qui est là, ce qui s'en vient. Tout tranquillement, agréablement, aisément. Et vous sentez que votre être de sagesse, ce jardinier, vous raccompagne, empli d'amour inconditionnel et de confiance en vous, en sentant que ce jour est le premier jour de tous les jours que vous allez vivre désormais, tandis que les oiseaux de la vie vous accompagneront de leur confiance en la vie, pour que chaque jour vous voliez de plus en plus de vos propres ailes, prenant votre envergure, tandis que la terre goûtera votre pas devenu plus souple, plus léger. Tandis que votre corps jouera à être encore plus dans la créativité. Votre créativité qui pourra rayonner dans le monde, aux yeux et au-dessus de tous, tranquillement, simplement. Tandis que chaque soir, lorsque vous vous endormirez dans votre lit, vous pourrez vous sentir apaisé, avec le sentiment d'avoir fait ce que vous aviez à faire durant chaque jour, même si vous ne savez pas très bien comment cela peut être possible. Alors tranquillement, vous vous laissez remercier intérieurement tout ce qui est là dans votre monde intérieur et tout ce qui a été là dans ce voyage d'aujourd'hui. Et vous pouvez aussi vous remercier intérieurement en sachant que lorsque vous ouvrirez les yeux dans quelques instants, vous serez comme rafraîchi intérieurement.
réaligné à plus de potentiel à l'intérieur de vous. Prêt, prête à aller dans le monde, vaquer à vos occupations, avec un nouveau regard encore plus ouvert, avec votre cœur empli encore davantage de qualité dans l'expression de qui vous êtes pour rencontrer désormais davantage les autres, de cœur à cœur, d'âme à âme, d'être à être. Voilà, et tout tranquillement, vous ramenez votre conscience dans ce lieu qui est là autour de vous. En retrouvant votre corps installé sur ce siège, et vous vous laissez goûter à l'ambiance à l'intérieur de vous, autant de temps que vous le souhaitez, et quand cela sera bon pour vous, vous pourrez vous étirer, bâiller, rouvrir les yeux et aller vaquer à vos occupations. Voilà, prenez le temps dont vous avez besoin.